Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle édition Ticket Show ça pour nous connaître de tout ça qui te fait actualité. Pendant le week-end, pour présenter l'émission ça, nous pratiquement habitués avec tête nous déjà. C'est moi-même Cindy Ducrépin et jeudi pour une autre fois encore. Moi, gagné avec moi, Mickenton Jean. Allô, Mickenton. Bonsoir Cindy, bonjour, bonsoir tout le monde. Cindy, ça gagne dans loge. Ça, so, ouais. Oh, moi, plumé sur le plateau. Ah, ben petit, nous devons bouger. Non, bon, bon. Un projet technique, mais comment est-ce que tu dis? Ça va et toi? Ouais, et François parle. Mais l'on parle français, on me connaît. Heureusement, mon Dieu. Tu vas gagner, va inquiéter. Non? Vraiment? Non, parce que regardez, l'on parle français. Bon, parle de ta femme dans la roue, ok? Ça gagne. Jodi a quitté Fézin, bon, d'où ça qui gagne dans le Konogam. Ok? Nous allons parler de Freda. Freda, film ça a nous songé. D'ailleurs, nous allons parler de Freda ici, la Netiquette Show. Freda, film ça que Jessica Généus gagne, en fait, réalisé. Film ça apparaît dans près de 80 salles sous toute la France. Ensuite, on parlera de TTO, de Tony Mix Eco Music ça qui figurait dans playlist émission Afro Club qui diffusait sur RFI Radio France Internationale. Ensuite, on parlera de BC. Barricade Court sera-t-il vraiment de retour en 2022? C'est la grande question que se posent les fans de Barricade. Et en dernier lieu, on dira au revoir au docteur Ronnie Gillot et à notre consoeur Miss Fafa. Freda, je me tape dit dans le commencement de l'émission Mickenton qui apparaît dans près de 80 salles sur toute la France. Vous pouvez regarder le film? Non, non pas de chance. Je te plains. Là, tu as fait Caribéa. Je te plains. Ah, si, dis-moi pour quelle raison je ne vais pas aller. Ça t'a fait? Pas de me sac de tête, moi. Non, t'as fait. Mais c'est pour pervers. Me dis sac de tête, moi. Non, parce que tu es. Oh, ok. Pas de quoi tu te calines dans l'esprit. Non, bien. Pas que tu n'as pas voulu regarder la face. Cindy, ma que moi. Ah, mon cher. Je vais découvrir la galère de petit malet. En tout cas, film là, sorti dans toute salle, ça, auprès de 80 salles, sous tout territoire français. Et jour cap 13 octobre 2021, mais en attendant de juste arriver, il y a des avant-premières qui a fait, avant-premières qui permettent, qui sont moments en fait, côté public, capable de rencontrer la réalisatrice qui c'est Jessica. Il y a une actrice surtout qui présente ou en France qui c'est Janaïna François Anoukwe qui joue rôle Esther dans Freda. Ah oui, vous gardez le pour dire que vous oui, vous allez me parler. Sauf que l'homme de l'article, ou même mon idée de qui ça qui est dans le film, non mais. Rien de plus. Bon, je t'ai souhaité regarder l'on le. Moi-même, je t'ai souhaité ça. Bon, vous allez regarder l'on le en France. Oui, n'abvoyou. Non, pas dire n'abvoyou. Avant première yo qui fait dans pratiquement des villes tankou Lyon, Caen, Strasbourg et Jessica Généus qui présente la France depuis plus de 15 jours et il fait connaître que moment ça est important pour lui parce que son moment côté il est capable de rencontrer le public là, dialoguer avec eux, échanger tout sur compréhension de film là, etc. Donc le film garder lui maintenant nous pour venir échanger avec. OK Jessica. Alors tout le monde qui a regardé là qui la France aller dans Freda. Freda. Oui, certainement. C'est un moment pour nous revivre des situations que peut-être nous te vivons déjà et c'est un moment tout pour nous comprendre plus crise n'a traversé là parce que Freda c'est pratiquement un certain regard sur Haïti. Vamos a Teteo. On va parler espagnol. Oh yeah. Ah mais oui, Cindy, c'est musique ça, nous connaissons qui a vraiment fait parler. La Bodaï. Oui, yes. On mélange, mais c'est surtout, faut qu'on dise que son musique simple là, lit et tiré de musique Avicii, musique ça qui est Waiting for Love, et musique ça a tout gain. On paquette collaboration sous lit, Takou Babas, Takou Tim Madada, et puis le chanteur dominicain, et Don Miguelo. Et c'est une bague qui fait un pile parler, un pile sur comme si il a parlé de est-ce que vous n'avez pas servi de musique comme prétexte pour réunir deux nations parce qu'on connaît toutes les différences qui sont entre Haïti et République Dominicaine. Et même si Haïti n'est pas Jean-Mou qui est allé l'autre bois, et bien musique là vraiment a fait parler de lui. Nous avons dit dans plusieurs pays, notamment et en France.
et côté que li te figuré nan playlist justement Afro Club émission ça m'ta ka di en 3e position me songe jeudi passé mais par contre comme balaye mi a Tony moi te font tweet qui te dit bon là il pas rien pour le dire oh Tony qui son nuage regardez Tony son l'autre bagaille oui parce que ouais pour lui là pas en comparaison encore dans tes go discussions sur internet ta que qu'est-ce qui king about da et cetera et Dès l'article là côté Tony dit c'est Don Miguelo qui vient aborder lui pour faire featuring avec. Non, comme si dit parler non premier moment comme si Don Miguelo gagne les grandes émissions et puis il était qu'on a dépassé musique la ville là. Soudi qu'on y a là et ça bon ben. Oui, la ville là. Avec musique ça et ça vient comme si vient attirer attention Tony car monsieur mais même si et Tony pas de jambe quoi adresser monsieur. Et bien, son leur, et d'après ça, Tony a dit. C'est monsieur qui vient souli. Oui, qui dit Emni. Et bien, bon, monsieur, Emni. En qui langue? Oui, il dit d'utiliser Google Traduction et puis. Tout bas, ok. Oui. Bon, mes amis, c'est pas mal. Oui, avec les technologies, bon, bah, la vie, bah, il est plus facile. D'ailleurs, ouais, il était tellement. D'ailleurs, ça a aidé Don Miguelo à comprendre, garder featuring dans la télé. Oui, mais c'est surtout son bel travail, c'est une case comme ça, même s'il inspire le. Mais musique, ça me croit qui est produit par Colmix. Colmix, justement. Colmix de Tim Malala. Tony dit musique là pendant un mois. Musique vidéo. Et puis, il a pris sous vidéo. Qui prie, bon, maintenant. Vidéo a coûté 15 ou 16 000 dollars. Celle qui fait ou bien est-ce que tout le monde déboussé ou bien soutenu? Ah, vous êtes là, Tony, allez, Tony, pour lui. Tony, là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, comme pour j'aille pour lui. En tout cas, nous bien contents, tout ça, c'est pour le bonheur des mélomanes et surtout des fans du Rabodaï. Et qui fait Rabodaï là tout, et peut-être, même si un peu le monde toujours gagne. Et d'accord, dit prétention parler de la bordée comme mon mauvais bagaille. Et ça, c'est une prétention. Non, en fait, je pense que perception ça a commencé à changer parce que il y a un peu de la bordée qui est potable, qui est assez potable. Et bon, moi, je me dis ça parce que avant, je n'aimais pas du tout, même si ou pas capable de la bordée là. Oui. Parce que rythme d'entrée, non. Et puis bon. Le problème, ce n'est pas de jambes avec Abodaï. Le problème, c'était avec mais ça qui t'a dit. Oui, voilà. C'est certain. Mais là, bah, c'est grand pile effort qu'a fait et qui doit continuer à faire tout pour permettre à ce que nous fassions musique, mais nous avons des messages qui sont positifs. BC sera-t-il vraiment tout de retour? C'est bon de saluer les gens. Ok. On a les noms. Oh, non. Oublierais ça? Oublierais la musique là. Ah, ok. Non, eh bien. Bon, même oublier le petit carnaval, ça, oui. Ça, c'est... Créé, oui, il y a une plus belle carnaval, Bissigay. Je l'aime des jeunes, messieurs. Toi, t'es jeune, oui? En tout cas, oui. En tout cas, est-ce que BC a tourné en 2022? C'est question ça pratiquement tout le monde a posé, en fait, toute fan rap créole. Parce que le bon vieux temps, hein, les des jeunes, côté de gain, BC en bob. Femme ou l'autre bob. Oh, côté fanatique. Moi-même, je ne suis pas ni l'autre. En tout cas, je suis pas de l'autre. Eh bien là, pratiquement fan BPCO, yo sans doute là pour mémorer de bons souvenirs côté où t'es mette bandana aux yeux dans tête yo, etc. Là, eh bien, est-ce que BC a tourné en 2022? Question ça qui pratiquement tourné là par rapport avec un tweet que Brix t'a fait. Il dit que bal 6 mois, il va le contacter, il va réunir tout négio. Pour parler, pour fauchit à parler, parce que pour y avoir si y'a qu'à tourner avec BC. Mais on l'autre question que moi-même m'a posé, parce que pile m'a posé tout, est-ce que Fantôme, parce que nous connaissons qui ça, n'est qu'on veut, bon, dernière fois là, c'était avant carnaval là, il était un genre, Krazo qui était ça avec BC. Oui, Fantôme réagit tout par rapport à ça. Fantôme dit, parler de ça, regardez, ouais, s'ouvre les amis. T'avais dit question, non pas même légitime. Regardez, c'est d'abord, dit, est-ce qu'il va mettre son ego de côté? Fantôme dit, pas parler de ça comme ça. Pas parler de ouais. Même pour, comment dire, pour le bonheur de nous autres non. Fans de BC. Si ça le prend trop, ça le prend, par contre, ça le prend. Okay? Bon, il était passé pratiquement 15 ans.
15 ans ou plus dans barricade. Oui, oui, par contre comment par contre circonstances qui était la cause groupe la craser. Ouais, ça me joue. Est-ce que le craser? Bon, c'est vrai que ça annonce que la je pas le recamper bon, certainement. En fait, dans dernier article que m'était lu sur Fantôme qui était paraître dans ticket, Fantôme t'a dit que il était décidé bon. Je pense que c'était de la diplomatie. Il n'y a pas de vraie raison, hein, mais il dit que il n'y a pas de canon groupe, côté que c'est chaque saison carnaval pour groupe le réunir et puis font un grand meringue parce que lui-même son business l'a fait. Donc, il n'y a pas d'arrêter là pour produire ça seulement. Bah bon, et ça, il te dit. Même s'il est tombé mal, il dit qu'il y a deux monitants dans la ville, c'est Mamali avec Fedaï. Eh bien, a prié, mes amis! Moi, je veux mon bici. Tu veux ton bici? Oui. Et sans fantôme? Oh non! Je veux marronner toute les gueules là. D'ailleurs, qui laisse à moi quand on a gagné? Bon. Peut-être que moi, l'examen, je vais prendre un bici là. Bon. Qui rapport? La voix ne dépend pas de la grosseur. Moi, ça. Vraiment. En tout cas, Nathan, 2022, Brexit est dit 6 mois pour le chita parler avec tout le monde. Eh bien, Nathan. Moi, Nathan. Je vais peut-être retour là pour me déterrer de mon choix où je là. On attend. Adieu au docteur Ronny Gillot et à notre consoeur Miss Fanfan. Oui, et nous avons dit duvalieriste assumé, homme politique, best-seller. Là, tu parles du docteur. Docteur Ronny Gillot, certainement, qui quittait nous à l'âge de 80 ans. Mm-hmm. Et nous avons dit que c'est quasiment une encyclopédie qui quittait nous. Eh bien, nous sommes les derniers livres que le docteur Gillot a écrit avant de mourir. Il a participé justement à mes derniers dans le livre en folie. Le livre là, il est dit La volupté, sacrilège de l'autocratie. Eh bien, c'est le livre ça qu'il a signé dans le dernier livre en folie. Et son monde d'accord. Son inconditionnel de livre en folie. Justement. Il est là à chaque édition. En fait, il était là à chaque édition. Et il était gagné. Est-ce que je peux dire en collection? Bon, en collection de livres qui était vraiment fait qu'on est les plus c'est au gré de la mémoire je crois côté l'étape raconter tout pareil qui t'est passé quoi première c'était au gré de la mémoire François Duvalier le mal aimé quelque chose du genre donc et chaque édition livre folie il est toujours sorti une livre ça qui dans collection ça dans dernier c'est ça me saute dire la volupté du sacrilège et de l'autocratie. Eh bien, c'est monsieur ça, c'est plutôt une garçon ça qui quitte nous. Mais parallèlement, tout gagné et concernant nous, Miss Fanfan, qui est la information que tu as fait quoi que c'est à cause de COVID-19, mm-hmm. Dans l'hôpital Saint-Luc. Et nouvelle, tu n'as pas tombé côté que lui allait quitter nous. Et on a rappelé que c'était professeur d'anglais et sous Dauphin News. Mm-hmm. Miss Fanfan, eh bien, c'est deux personnalités ça, vraiment qui quitte nous. C'est là nous mettons un bout à édition Ticket Show ça pour aujourd'hui. Merci un pile à nous-mêmes qui t'a regardé. Merci à l'équipe technique là, Gerdi, Lunette, Abdon, Sami Belade. Merci à Gaël Alexis qui clairé main. Oui, parce que vous nous clairé. Aigri. Merci à toi également, mon cher Mickenton. Merci à toi aussi, Cindy. Et de mon plaisir beaucoup. Comme d'habitude, dis ça. Non. Dis ça. Bon, non, ben, comment vous me dites là, non? Mm-hmm. Des fois, plaisir pour moi. Wow! Mais comme d'habitude, merci à tout le monde qui t'a regardé nous et qui t'a pris le temps pour faire ça. Nous, ben, nous rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye tout le monde. À bientôt. Bye bye.